Bonjour les viewers, c'est Scratty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode sur Grimsoul. Épisode pas du tout au programme, hein, parce que le prochain devait être normalement ma zone rouge à 100%. Mais bon, des petites infos à partager et surtout un petit moment de joie pour moi sur le jeu que je voulais partager également avec vous. Alors on commence tout de suite avec une image partagée sur Facebook par les développeurs. Ils demandent d'ailleurs ce qu'on en pense. Et ben, je sais pas vous, mais moi j'ai plein d'idées. Hein. Un nouveau marchand ou PNJ, un nouveau type d'event peut-être, ou pourquoi pas un nouveau craft. En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, je suis tout ouïe. On continue vite fait par la quête numéro 17, il s'agit de crafter 5 chandeliers, je vous affiche la recette à l'écran bien entendu. Pour la quête numéro 18, elle n'est toujours pas dispo pour moi, donc faudra attendre un tout petit peu. Pour continuer, je vous affiche à l'écran des nouveaux échanges chez le marchand qui pour moi ont été et sont rentables. Ils m'ont bien aidé pour ma prochaine vidéo et ma zone rouge à 100% parce que ça m'a permis d'avoir du stuff que je ne pouvais pas craft. Pour finir, et on termine par ce qui est marqué dans le titre de la vidéo, j'ai été extrêmement surpris, je suis parti faire une zone double crâne, donc difficulté 2, orange, si on se réfère à LDE, juste pour farmer, rien de bien exceptionnel. Et comme vous allez le voir à l'écran, après avoir tué une sorcière et un chevalier d'Annie, ça m'a porté chance, parce que j'ai loot la selle de cheval et une roue pour la chariole. Alors je savais pas que ces items étaient déjà implantés. J'étais étonné de trouver ce genre d'item, et surtout dans une zone niveau 2 en fait, en difficulté. Au pire, ce genre d'item, je m'attendais à les avoir dans une zone 3 crânes, ou dans le futur dans les donjons. Enfin bref, agréablement surpris, et donc je partage avec vous que on peut loot déjà la selle de cheval et des roues de la chariole, à partir, je pense, de la zone orange, donc de crâne. A savoir, je ne sais pas, et d'ailleurs, je ne pense pas que le licol ou l'abreuvoir pour le cheval soit implanté, et les autres items pour la chariole non plus. Peut-être un, mais pas deux, en tout cas. Pareil pour la chariole, hein, on peut loot les roues, mais ouais, je pense, je doute que le reste soit implanté. Faut se rappeler qu'il s'agit des mêmes développeurs que LDE, cela veut dire qu'il faudra, à mon avis, faire les donjons pour débloquer le cheval, et je pense la chariole après. Enfin voilà, la petite vidéo est finie, j'espère que cela vous aura plu. En attendant, passez un bon week-end, pas trop de chocolat, hein. Je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.